Ok, salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. J'ai un peu de mal à m'y remettre à vrai dire, hein. J'ai un peu de mal à lancer le jeu tellement il est dur et tellement je sens que je vais en chier. Mais bon, c'est pas grave, bonjour. Wow, t'es qui toi? Un rack électrique brutal, très bien, fallait que je tombe là-dessus dès le début. Vous voyez par exemple sur ça. Voilà. Exemple. Ah. Il est mort ou il est mort? La question c'est de savoir est-ce que lui il a lâché quelque chose d'intéressant. Apparemment non. Génial les brutasses qui donnent rien. J'adore. Bref, ouais c'est vrai que le jeu, la difficulté du jeu me rebrousse un peu d'y jouer. J'essaie de chercher un petit peu à droite à gauche comment je pourrais... Je suis pas censé l'exploser normalement. Ah ah. Ok. Très bien. Salut toi. Ok. Eh oui, là ça va couler. Très bien. Où est-ce que ça me tire encore dessus? Ici. Elle est encore vachement efficace, hein, cette SMG. Hein. Enfin, cette mitrailleuse. Le truc, c'est que là, par exemple, c'est cool, c'est vachement cool de tomber sur deux... Ah putain, il y en a deux ici. Est-ce qu'elles sont détruites seulement ou... Voilà, là elles sont détruites. Très bien. Ok, j'ai réussi à l'avoir. C'est quand même vachement plus précis que moi. En vrai, je voudrais bien avoir leurs armes. En fait, je crois que c'est ça la technique qu'il faut que je prenne. C'est dès lors que je suis rentré dans la place, je balance le furieux, je trouve un point utilisable, un point sympa où je peux me planquer. En étant suffisamment hors de portée. Et je serre les fesses pour survivre. Jusqu'à la prochaine furie presque, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il faut que je fasse plus attention à ce que je tombe, parce que je dois tomber des armes qui sont pétées, mais je les prends pas parce que voilà, j'ai pas envie ou parce que j'ai... J'admets qu'il m'a fait peur. Ça suffit ou pas? Voilà. C'est ça qui est bon. Du coup, on a fini cette mission. Ce qui est cool. Puisque c'est la seule qui nous restait dans le coin. En tout cas, avant de retourner parler à Tanis. Et je voulais absolument la faire avant de lui parler. On va aller voir ce qu'il y a dans la caisse d'armes. Maintenant que c'est un petit peu... plus tranquille. Ah. Ah, donc ça se trouve, ça... c'est peut-être pas mal. Il y a plus de dégâts que la mienne. Oui, il y a que 12 balles dans le chargeur. On m'a bien expliqué que oui, il y a que 12 balles dans le chargeur, c'est normal, mais elles font plus de dégâts. Celle-là, elle a pas l'air top, hein. Je regarde, je me dis merde. Après, j'ai pour habitude de pas faire trop gaffe à ce que je prends, mais... En règle générale, hein. On parle pas que des armes. Ah, bref. Je pensais qu'on pourrait rentrer là-dedans et qu'il y aurait un truc dans le fond, je sais pas pourquoi. Je sais pas encore si je vais faire le 2. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore décidé si j'allais faire Days Gone ou pas. Pour la simple et bonne raison qu'avec le prix conséquent... Ah merde. Le prix conséquent de la boîte ultra collector de la mort qui tue sans le jeu. Voilà ce qui me dérange en fait, c'est que on puisse pas l'acheter chez nous avec le jeu. Ce qui implique donc
que ça coûtera plus cher d'y jouer avec, d'acheter cette boîte et de jouer au jeu. Environ 300 euros minimum. C'est bien là qu'est le problème, du coup je sais pas, peut-être que je devrais un petit peu économiser pour espérer avoir cette boîte. On verra, on verra, on verra. Je vais y réfléchir dans la semaine, on est mercredi quand je tourne ça, je suis juste après le stream. Complètement zappé d'en tourner ce matin. Mais voilà, voilà, voilà. Je pense que je vais plutôt partir sur la Borderlands 3. On verra, on verra. En tout cas, j'ai peut-être un petit peu moins peur avec ce brick là aujourd'hui, on va dire. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder un... Au lieu de vendre à chaque fois mes armes dans les fins d'épisode, je vais les garder, les tester en off et voir s'il y a mieux. Voir ne serait-ce que le feeling de l'arme, en fait. Pour voir si c'est pas mieux que ce que j'ai, finalement. Parce que, finalement, pour voir si l'arme est meilleure, je regarderai les stats. Mais c'est vraiment le feeling dont j'ai besoin. Un meilleur feeling. Celle-là a un très bon feeling. On a tous entendu le même bruit chelou, on est d'accord, hein. Ok. Je suis pas seul, au moins. Merci. Ah oui, c'est la quête de Marcus, j'avais oublié. Allez, allez, venez regarder ce que je propose. Par exemple, ça se trouve, c'est super bon. On s'en rend pas compte, mais c'est super bon. Et je suis genre niveau 25, il me donne des armes de niveau 16 dans le coin, quoi. Et trouver des preuves. J'espère que vous vous tenez à l'écart des éléments improductifs. Jack Le Borgne. Il y a plus important et plus urgent à faire ici que de s'occuper d'un conte de fées. Oui, oui. N'existe pas. Oui, mon point dans ta gueule, il va bientôt exister par contre. Hein. Ah là 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 là. Ça m'intéresse, mais c'est pas au même endroit. Oui, Rust Common West. Ça, c'est au même endroit. Cool! Cool, cool, cool. On y retourne. Génial. Je sais même pas combien que j'ai de place dans mon inventaire, mais... On va essayer ça, tiens. Ah ouais. Et tu m'appelles ça une SMG? Ah ça, on a la précision au moins, c'est cool. Ah c'est un brutal. Ah il a quand même pris cher le brutal, dis donc. Bon par contre... J'ai connu des shotguns plus précis. Hein. Okay. Et le brutal me lâche ça, voilà, on a son... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, salaud. Pourriture. Ok, très bien. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un système de modification d'armes dans le prochain. Mais bon, il y a peu de chance. Mais ça serait bien. Mais il y a peu de chance. Mais ça serait bien. Mais il y a peu de chance. Mmh, 66, plus 2 rage, plus 3, moins 24% de résistance de dégâts par balle. Ah non. Non, non. Dégâts d'équipe, ouais. Ça reste pas des masses. 66, plus 2, plus 3, moins 24. Qu'est-ce que j'ai, moi? Bah non, ça m'intéresse pas du tout. Non, non, de préférence, tu le gardes pour toi, ça. Merci. Bon, apparemment, j'ai tout ici. Très bien. C'est parti! Oui, oui, oui. Ouais! Ça apparaît spawn? Cool. Bah, si ça apparaît spawn, je vais gagner du temps, moi. Hein. Ah, quoique. Parlant de gagner du temps.
que c'est pas mieux si je passe par là? Ils me suivent toujours, hein. Des fois, je me demande pourquoi je tire avec cette arme. C'est ça, ouais, casse-toi. Très bien. Oh, il y avait une chier d'ennemis ici. Putain. Non mais lol, il est en plein dedans. Je peux pas faire mieux, hein. Aïe. Ouais bah attends, je recharge. Regardez-moi la précision de cet enfoiré. Avec son petit pistolet. Genre ça, ça touche pas. Pas genre une touche pour au pire. Bon, fuck it. Je suis à fond de cale là, hein. Allez, continuez à venir. Non mais je veux pas qu'on me fasse bouillir. Ah merde, bah je vais mourir, ouais. Merci. Deux secondes. Merci. Voilà. Ça c'est peut-être bien, on en sait rien. Ça aussi. Who knows? Ok. Ok, c'est propre, c'est nettoyé. Très bien. Merci beaucoup. Ouh. Douze balles, aïe. Ça me fait chier de voir ça, moi, 12 balles. Par contre, cette arme n'a aucune précision. Ou alors ce youtubeur n'a aucune précision, mais ça m'étonne. Ça fait du bien par où ça passe. T'es en train de me dire qu'il y avait moyen de faire le grand tour. Culé. Oh, culé. Hey, c'est un point de téléporteur. Hey, oui, madame. Genre c'est juste... Putain, je crois que c'était un rack, quoi. Et tu vas pas m'exploser, c'est moi qui vais t'exploser. Regarde ça. Genre, cet homme a translaté, nous l'avons tous vu. Oh bah... victoire. Où est mon véhicule? Oh. D'accord. Intéressant. Mauvais. Salut. T'as déjà prévenu que... au corps à corps, c'était moi le champion? Hein? Moi, dans ma mémoire, cette arme-là, c'était une des armes les plus pétées du jeu, hein. Si, si. Je vous assure. Genre, tu sais, tu es des escaliers ou... à mon avis, la réponse est non.
Ok. On s'en sort. On s'en sort pas forcément ce qu'il y a de la manière la plus simple, mais on s'en sort, c'est déjà ça de pris. C'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait ça. Très bien. Hein, fallait pas que j'ai détruise, fallait que j'ai récupère. Ok. Très bien. L'autre œil de Jack. Quête secondaire, surtout avec une... un fusil d'assaut. Les deux sont avec des fusils d'assaut. Ah, bah voilà des choses qui vont pouvoir être intéressantes à récupérer. Par contre, l'autre œil de Jack se situe un petit peu... bah, de l'autre côté du jeu, quoi. Je voulais refaire tout le tour. Oh. Sait-on jamais. Ça peut être une arme bien, hein. Je commence à me dire qu'en fait, j'ai été peut-être un petit peu trop... comment dire... trop, on va dire, difficile avec mes armes. J'aime pas ce mot-là, mais je suis quelqu'un de difficile en vrai, c'est pour ça que j'aime pas quand je dis que je suis difficile. Ah. Je confirme, vous étiez que deux, puis d'un seul coup... Je vais détruire. Ah, détruit alors. Oh non. C'est un brutal! Oh oh! J'ai plus que deux grenades, très bien. Ok. Aïe 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 aïe. Te sens pas obligé de faire pop d'autres ennemis le jeu, hein. Mais sérieusement. Et il est plus rapide que moi, c'est normal ou... On va considérer que c'est normal. J'ai de la chance, ils ont des points faibles assez ostentatoires, ceux-là. C'est littéralement leur queue. Mais bon. Si c'est pour rien lâcher derrière en plus, à part une pauvre arme blanche, c'est dégueulasse, quoi. Apparemment, il a agressé quelque chose dans le coin. Sans doute un PNJ au pif. Ah, ce serait pas la tourelle qui est là-haut. Je ne sais plus. Ok, on va faire un grand tour. C'est bel et bien la tourelle qui l'avait attiré. Oh merde. Encore un brutal? Ça rapporte rien de débuter pour le coup, non, ça sert à rien. Par contre, s'ils me suivent jusque là, j'ai vraiment la haine. Alors... l'avantage, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir fait ça tout de suite. Jack le Borgne. Ah bah attends. Un personnage nommé. Ah, d'accord, je viens de comprendre ce que je vais faire à Jack du coup. Jack. Ravi de te rencontrer. Je crois que j'ai récupéré son œil. Merde. T'as peur? Moi aussi j'aurais peur. J'ai eu peur, vous. Les armes de niveau 15, quoi. C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est... c'est que ça me rapporte rien finalement en termes d'équipement. Et là j'ai peur que les quêtes vont me rapporter rien du tout non plus. Au passage. Embêtant.
Donc je viens de taper 3 km à pied. Peut-être que je vais plus vite si j'ai le furieux. Non. Absolument pas. Ça valait le coup d'essayer, hein. J'ai même pas l'impression de pouvoir sprinter en fait, surtout. Grosse erreur de ma part. Cassez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. Casse-toi, te dis-je. Saleté. Et on peut revenir, ils reviennent. Ou pas. Ils hésitent encore. Bon, très bien. Ils savent que je les regarde, alors ils hésitent. Oh là 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 là. C'est vrai que je pourrais rendre ces épisodes à peu près 1 million de fois plus rapide si je coupais le chemin retour. C'est pas con, hein, comme idée. Vaut mieux 4 roues que 0 roues. Amuse-toi bien. Il a raison, hein. Il a raison pour le coup là. Là, je me suis bien fait chier pour revenir. Sacrifier mon véhicule, tout ça, tout ça. Ils auraient repop à gauche que j'aurais presque pété une durite. Alors je sais aussi, on m'a bien expliqué et réexpliqué que les armes les plus pétées dans ce jeu sont les revolvers en termes de DPS. Hein. Que les shotguns sont pas si viables. Oui, mais j'ai un personnage qu'ils utilisent donc. Soyez pas timide, entrez. Ah, 36 balles, bah attendez. Glorious Avoc. Ah. Ah ah ah. Eh ben on va essayer. À plus tard. Enfin. On a toujours pas trouvé Tanis, mais c'est normal. Hein. C'est pour éviter d'avancer dans l'histoire principale. C'est ici. The Sentinel. Ah ouais, 12 points. 80, ah ouais, par contre, 98 de dégâts. Ouh, et un level up. Un level up. Assurance vie. Parce qu'il me semble que dans mon truc, j'ai assurance vie, mais que j'utilise pas. Non, même pas. Autant pour moi. Ça va plus. Très bien. Très bien. On aurait pu utiliser ça aussi pour y aller, hein, tout simplement, hein, mais... Oh là 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 là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ok, on est bon. On y va. Hey, t'es prêt à y aller? Allez. On y va. On y va. Cette conversation en solo que j'ai eue avec moi-même et une voix préenregistrée. Ah bah... Ok. C'est parti. On a un peu plus de boucliers, mais c'est ridicule. Allez. Allez. Et merde. On va passer par là. Site de fouille, hein. Ah ouais, je confirme. Bon, en précision, hein, je peux retourner me coucher, hein, mais... Mais en règle générale... elle est pas mal. Par contre, c'est vrai que je me fais un peu agresser. Voilà, c'est bon. Ça fait mal, ça. Bah c'était bien. Elle est vachement bien cette arme. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Elle doit pas être niveau 16. Si, je sais plus. Si, sans doute. Ou genre niveau 19. 6 niveaux. 7 niveaux maintenant en dessous du mien. En fait les ennemis sont tellement bas niveau par rapport à moi que même si j'en chie à cause de mes armes,
Je gagne pas d'XP. C'est pas rentable. Ah d'accord. Attention. Bah oui, bien sûr. Je viens de choper une arme. Tiens, bouffe. Voilà, problème résolu, c'est bon, vous êtes calme. Vous êtes calmé ? Bien. Parce que bien sûr, ce brutal ne m'a absolument pas donné de stuff. Très bien. Et... Je t'ai vu. C'est tellement pas juste. Eh, il a raqué, hein. Non, 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 vous avez pas vu tout le pognon qui est tombé. Merde. Bon bah écoutez, je vais garder ma blague. Pour moi, du coup, la prochaine fois. Je pensais que ça allait vous plaire, tout ça, tout ça. C'est pas du tout bon signe, cet endroit. C'est bon ? Vous vous êtes un petit peu... Hein ? Caisse d'armes là-bas. Ah oui, je me rappelle ! Je me rappelle ! Enfin, je me rappelle de ce qui a se passé, mais... Enfin, de la zone et du personnage. Oh merde. Ça aurait été con de se bloquer ici. Ok, c'est parti. Ouh. Une arme de niveau 22, mais tu es fou le jeu. C'est quand même moins de dégâts que la mienne. J'ai été gâté par le jeu. Bref, ça c'est vraiment à chier par contre. Ok, salut. Oui, bonjour, quête principale. Incroyable, malgré vos carences intellectuelles, vous avez réussi à identifier un morceau de la clé de l'arche. Laissez-le moi, afin que je procède à quelques tests. J'en avais un il y a quelques temps, mais il y a eu au scrapyard d'Earl le dingue maintenant, ainsi que l'autre de mes objets très personnels. Vous aimez les insectes? Earl le dingue. Ah, purée. Très bien, bon bah go for it. C'est parti. Je lis pas assez les quêtes, je suis désolé, je devrais. Hein. Je me rappelle plus du tout comment sont les quêtes, en fait. Je me rappelle plus des autres jeux, c'est ça qui est le plus fou. Je me rappelle y avoir joué, je me rappelle avoir kiffé, mais je me rappelle pas m'être attardé trop long. Trop longtemps sur... les quêtes. Et me connaissant, c'est chelou quoi. Enfin, vous qui suivez un petit peu comment je joue aux jeux vidéo, vous devez être vachement étonné. Il est mort, c'est sûr. Sûr et certain. Ok. La voiture qui nous attendait est toujours là. On va aller dans la nouvelle zone, la zone d'Earl. Il s'appellera sans doute Earl Scrapyard. Comme vous allez pouvoir en juger par vous-même d'ici quelques secondes. En tout cas, ça fait plaisir de jouer au jeu, même si je suis c'est peut-être ça un vrai jeu. Un vrai jeu qui n'est jamais facile. Un jeu qui n'est jamais facile à aucun moment. C'est peut-être ça le truc en fait. Et là j'ai bien la haine.
Parce que du coup, je vais mourir. Et je pensais pas que c'était un brutal, du coup, je me suis attardé en disant « Bon, je vais l'avoir. » Adieu, mon pognon. Du coup, maintenant, j'ai 40 millions de kilomètres à faire à pied. Très bien, je vais chercher ma voiture là-bas. Salaud. Voilà, c'est dit. J'ai hésité. Ah. Serre-toi de tes poings, Brick. Casse la pierre. Non, mais Brick. Hop, là, allez. C'est parti. Aïe. Oh, pardon. J'ai déjà baillé tout à l'heure pendant le stream, j'ai pas compris pourquoi, mais alors là, ça ne va plus. Salut! Je suis choqué que les brutaux me donnent. Je suis plein. Bon, c'est pas grave. Me donne que du blanc, ça me choque. Je suis désolé, hein. Je sais que je devrais pas m'arrêter là-dessus, mais. C'était pas prévu ça. On va s'aimer. Non, c'est pas ça qui chantait. Hein. Sous une étoile ou sur un oreiller. Je vais quand même tenter de passer par là-bas. Peut-être que ça passe mieux. On va s'aimer. Je confirme, c'est peut-être mieux passé. Picasse hein, quand elle veut, hein. Putain, dès qu'il y a trigger, c'est violent. Hein. Dès que le truc il trigger, c'est ultra violent. J'ai peur d'aller là. Ok, pas grave. J'irai pas. Non mais vous embêtez pas pour moi, je... Non mais je repars, vous inquiétez pas. Voilà. Comment te dire? Je suis pas sûr d'avoir envie de venir ici. N'oubliez pas, chez Marcus, la meilleure qualité au meilleur prix. Je supprimais quand même tout le blanc en me disant que le blanc c'est nul. Hein? D'accord? Ok, cool. J'aime bien quand on est d'accord. Ça me rassure beaucoup. J'aime bien aussi quand en début de niveau comme ça, le jeu me balance des munitions, tu vois. Et aussi, je suis pas allé voir, mais peut-être qu'il vend les stocks de munitions supérieurs. Ouais, ouais, c'est ça, il t'en reste plus beaucoup, voire pas du tout. Genre, c'est mon genre de laisser du bleu ici. Honte sur moi ? Au moins on est sûr que lui il est mort hein. Bon sang, je suis bon. Bon. Je crois que le chemin est dégagé. Earl.
Hop, je t'ai retrouvé. Marche pas sur ma pelouse, leçon du jour. C'est branché cet engin. Écoute, moi je te dirai que dalle tant que t'auras pas maté toutes ces saloperies. On va essayer de le faire se rapprocher un peu. C'est tellement de la merde. C'est efficace là par contre. Ok, lui je l'ai eu. Lui aussi. C'est quoi son autre mission à lui? Des bandits maintenant. Faut que je tue des bandits avec des bandits et d'autres bandits. Très bien. C'est parti. Une fois de plus, je ne dis pas non à des munitions. Bah, y'aurait bien des bandits par là. Pourquoi eux j'arrive plus à les tuer d'un coup? Très bien. J'ai pas compris. Il m'a quand même tué alors que j'étais en furieux, hein, sans vouloir le... Oh, c'est vraiment le pire endroit du monde pour tuer des... Ah. L'espace d'un instant, je croyais que j'allais pas y arriver. De la merde. Sans vouloir te vexer, t'as pas l'air sympa, hein. J'ai quand même pas gaspillé toutes mes munitions sur lui. Heureusement, j'ai une arme d'une précision infaillible. Incroyable cette arme. Bon, cet ennemi aussi, mais... Je me disais 3 d'affilée, c'était beaucoup trop. T'allais pas y arriver. Ah oh, putain, il a lâché du violet. Enculé. Allez, j'y vais. N'ayons pas peur. Soyons des hommes braves et courageux. Surtout un. Tout ça pour ça. Génial. Salut! Ça fait pas du bien, ça, je confirme! Par là, c'est par là d'où qu'on vient. Du coup, on va aller vérifier qu'on a rien oublié bêtement. C'est par là d'où qu'on vient, c'est du français, bien sûr. Hein. Il y a même un point de sauvegarde ici. Du caca. Très bien. Le caca, c'est bon, mangez-en! Ou pas. Surtout pas.
dirait des Niaskag. Marrant qu'il n'y en ait pas. Ah! Des Skag! T'étais pressé d'essayer de me tuer, toi, hein? T'es dit à bas la force physique, seule la vitesse compte. T'es pris pour quel le survivant? Jamais! Non, 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 ouais, ouais, merci. Je rêve maintenant avec un. Pourquoi c'est un personnage de Noël? On est d'accord, il avait un truc de Noël, non? Au tout début. Non? Non, j'ai cru. Non mais lol. LOL! Sinon, tu viens de prendre les coups que je te donne ou pas? Payer quoi? Vous voyez que c'est efficace? Peut-être réussir à faire un kill ou deux, non? Ouais! C'est pas mal! C'est pas mal, c'est pas mal! C'était absolument inutile et du gâchis, mais c'est pas mal! Si! Ah mon dieu, je ne peux pas revenir si je viens ici! Ouais, je me rappelle de cette zone aussi. Ouais merde, crédit. Aïe. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de m'échapper? C'est lui là-haut qui me tire dessus, c'est ça? Très bien. Et c'est là que je regrette de plus avoir de... Continuer à souffrir là-haut, c'est cool. Cool, c'est cool, c'est cool. Mais c'est pas ce que je voulais. Bon bah, écoute. Merci. Hop, voilà. Des munitions, merci. Et là-dedans, que du caca blanc. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Et cette arme, est-ce qu'elle est finalement précise ou pas? J'ai touché, j'ai rien à dire, j'ai touché. Ah. Elles essayent, elles essayent. J'ai peut-être fait quelques kills, hein. On n'en sait rien, mais c'est possible. J'ai mis plus de plomb dans le corps qu'il n'y a de plomb dans une balle. Il est toujours pas mort. Touché. Il y avait des munitions. Allez, on se les fait. Eh bah merde. Comment dire? Puis dans le... Où es-tu? Très bien.
Yes, j'en ai eu un. Alors, juste pour être sûr, on est d'accord, on le voit tous dans le point rouge. Hein. Yes. Donc quand je tire, normalement, ça devrait tirer droit, non? On est d'accord. Hein? Non, je me trompe, pardon. Si je me trompe, pardon, excusez-moi, j'avais pas percuté. C'est vraiment la grande question de ce playthrough, hein. Mais où vont mes balles? Et qu'est-ce que tu fous en bas? Ah bah là, mes balles... Il a lâché du verre, fais chier. What? Ok. Ok. J'ai vu qu'il y avait un fil électrique qui partait par là-bas. Non? Pas du électrique ça? Ok. Appuyons sur le bouton. Ok. Ah! Ah voilà. C'est quoi? Très bien. Très bien. Ouh! Il y a plus de dégâts, mais ouais, tu sais quoi, je vais là. Comment ça, tu veux pas? Genre, j'ai le droit de virer ça, ça et ça. Mais après, tu... Ah, c'est parce que j'étais sans doute verrouillé. D'accord, très bien. J'avais sans doute verrouillé l'arme. Très bien. Ok, bon, on va retourner voir notre ami alors. Par contre, on est déjà à 49 minutes de tournage. Très bien. Si peu. Cette musique. Ah, il faut que je refasse tout le tour. Je suis passé à côté de ça. Des snipers. Hein. Ah bah non. Eh bah non. Pour l'instant, j'ai pas besoin de sniper du tout dans ce jeu. À part peut-être à un moment ou deux, mais... À aucun moment dans ce jeu, j'ai besoin d'un sniper, véritablement. Bon, faut reconnaître que mes balles iraient peut-être là où je veux qu'elles aillent, hein, mais... Mis à part ça... Parce que j'imagine que la suite, ce sera par là. Bon, en tout cas... On a géré. Merci. Combattre le feu par le feu. Bouteille de gnôle. Très bien. Et où sa bouteille de gnôle? Oh, faut que je reparte. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode et on fera les bouteilles de gnôle dans le prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.